Et bonjour à tous, ici Boufan pour une nouvelle partie de, j'allais dire Paper Peach, mais c'est The Legend of Zelda Ocarina of Time. D'ailleurs, je suis même pas sûr si j'ai dit The Legend of Zelda la dernière fois. Et aujourd'hui, il faut lancer Ruto sur la plateforme. Elle s'est marchée. Elle s'est marchée. Yay. Et c'est Ruto, le nouveau personnage jouable. Oh, j'aimerais tellement un hack avec Ruto jouable. En fait, c'est faisable les hacks de The Legend of Zelda Ocarina of Time, mais en fait ça marche que avec la debug mode. J'étais tellement triste quand le grand Jabu Jabu l'a avalé. Tout ça s'est passé pendant son repas. Il s'est agité, il m'a avalé d'un seul coup. Bon, on peut partir maintenant. Ramène-moi à la maison, tout de suite. Oui, c'est possible de faire des... Oh là là, la plateforme, elle l'a mangé. Bah, c'est quoi ça? Une pieuvre? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est moche! Non, c'est une horreur! D'ailleurs, je sais plus s'il y a une technique pour le battre. Enfin, si, il y a une technique, il y a ça et ça. J'arrive jamais à me rappeler la technique, c'est difficile à chaque fois. Je crois qu'il faut faire comme ça, puis ensuite faut arriver ici. Oh le vilain! Hey vilain! Ah bah oui, mais mince, mais qu'est-ce que je fais? Il faut utiliser le boomerang. Ah là là. Bah, ah, qu'est-ce qu'il y a? Ok. No stress. Oh là là. Allez, tourne-toi. Tourne-toi, vilain. Tiens, one shot. Ha ha ha. Y'a pas que toi qui es cheaté. Et ça s'appelle Big Octo attaque le par derrière. Oui, donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, les hacks, ça existe. Il y a un hack pour jouer Shake. Mais le problème, c'est que dans la debug mode. Enfin, dans le debug mode. Voilà, pas moyen de jouer un autre personnage, sinon. D'ailleurs, je crois qu'il y a des gens qui sont en train de travailler sur un mode pour jouer Zelda. C'est pour ça que j'aime bien la Nintendo 64, il y a plein de possibilités. Ah ah, tu peux rien. Allez, speedrun de la salle. Hé hé hé. Hé hé. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici, par hasard? Je me souviens plus, ouais, je crois qu'il manque deux sculptures là. Je suis pas sûr. Enfin, de toute façon, il y aura une partie spéciale pour chercher les dernières sculptures là que j'ai pas fait. Ah oui, il me faut une caisse. Caisse, viens ici. Et en fait, c'est pas mal de jouer avec un autre personnage. Enfin, c'est surtout pour Link adulte, mais... Voilà. C'est assez plaisant. Bon, après, c'est dommage que ça puisse pas être mis directement in-game. Oh là là, il y a tellement de méduses. Oh là là. Trop de méduses. Enfin, c'est des biris. Pourquoi est-ce que ça s'appelle biris? J'en ai aucune idée. Alors. Ah oui, non, j'ai plus besoin de bateau mojo. Allez, hop. Au revoir, Sculptula. Bonjour, Sculptula Token. Alors, est-ce que j'ai toutes les sculptures là? J'ai toutes les sculptures là! Haha! Et oui! Oui, parce que je vais quand même faire les sculptures là. Je sais pas si je les fais toutes. Laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille! You monster! Non! Oh, je me suis fait arnaquer! Oh, qu'est-ce que je me suis fait arnaquer! Pourquoi?
Ah, bras. Bou, pas content. Pourquoi ça a pas marché? Ah bah voilà. Oh, c'était juste pour me faire remonter. C'est pas très gentil alors. Oh le pauvre, je lui ai donné un coup d'épée dans le ventre. Oh, c'est l'heure du boss. It's a boss time. It's a boss time. Fight time. Oh, Biri, tu es ici aussi. Il y a plein de Biri, des Biri géantes. Et il y a Tentacule Man. Barinade, l'anémone. Oh purée. L'anémone bioélectrique. Allez, change de cible. Allez, change de cible. Et voilà, j'ai déjà fini. Au revoir. Allez, hop. Oh là là. Oh là là, Link le missile. Link le missile. Oh là là, maintenant c'est le mode cheaté. Oh, j'ai réussi du one shot. Oh là là, ouah, ouah, je suis dans un coin, je ne peux plus rien faire. Laisse-moi tranquille. Ah ah, tu peux plus rien. Tu n'as plus de Biri pour te protéger. Allez, prends-toi des coups de bâton mojo. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Monsieur, laisse-moi tranquille. Arrête de fuir. Viens te battre si t'es une anémone. Ah, j'arrive à le troller. Ah, le troll. Ah mince, il m'a aussi trollé. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié Barinade pour sa courte apparition. Elle s'est transformée en champignon. Ah non, mais c'était terrible. Il y a encore ça dans son ventre. Bah. Non, mais comme je le dis, c'est ignoble d'aller dans un ventre. Ah, le cœur de l'amitié. Un cœur d'énergie. Votre énergie augmente d'un cœur. Merci. Oh, Ruto. Mais qu'est-ce que c'est? Elle a l'air heureuse. Je sais pas. Ou elle a l'air d'avoir perdu à un jeu vidéo. Toi, t'es en retard. Je t'attends depuis 1 heure. T'es nul. Je me sentais seul, c'est tout. Juste un peu. Oh, elle est tombée amoureuse. C'est la fin de l'amitié de. C'est la fin de l'amour entre Zelda et Link. Oh, il fait jour. Coucou. En plus, c'est possible d'avoir la cinématique de nuit, je crois. S'il fait nuit à l'extérieur. Hé. Oh, Ruto, elle nous fait les jeux de séduction. Toi, t'es cool. Plus cool que je le pensais. Enfin, juste un peu. Tu m'as sauvé. Je dois donc te récompenser. Que veux-tu de moi? Je t'écoute. La pierre ancestrale, rien du tout. Tu veux le saphir Zora? Ma mère me l'a transmis et je ne la donnerai qu'à mon futur mari. C'est une bague de fiançailles, Zora. Bon, ok. Je te donne mon bien le plus précieux, le saphir Zora. Et je deviens officiellement son mari. Ouais! Link marié à 8 ans, bravo. D'ailleurs, je sais pas quel âge en fait il a, Link. Je crois qu'il a 9 ans ou quelque chose comme ça. Ouah, une nouvelle pierre que je veux sur mon étagère. Non, mais les pierres, elles sont tellement bien modélisées, j'adore. Ça donne vraiment envie d'en avoir une. Sont bien le plus précieux. Vous ne savez pas de quoi elle parlait, mais vous avez les 3 pierres ancestrales de Zelda. Allez la voir.
Ne le dis pas à père. Bien, du coup, bah, en fait, je crois que j'ai tout fini dans ce qu'il fallait faire. Je sais pas si je fais tout. Enfin, si, il y aura des quêtes secondaires et tout ça, avant de passer un passage vraiment horrible. Prends bien soin. Prends-tu soin de mon bien le plus précieux? Monsieur, elle m'a donné le rubis Zora, maintenant je pars avec. Oh, c'est très bien. Non, Link! Ouf. Eh, il faut pas que tu te manges des rochers. Bien, nous avons plein de choses à faire maintenant que nous avons fini le ventre de Jabu Jabu. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que je réfléchisse. Je crois qu'ici, il n'y a rien à faire. De toute façon, on a plein de choses à faire avant de continuer l'aventure. Et oui, c'est l'heure des quêtes secondaires pour les parties à suivre. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir au futur let's play que je vais faire. Parce que, bah, faudrait que j'arrête un peu de faire que de la Nintendo 64, ça serait bien. Alors, on m'a dit sur le papier que c'était ici. Alors, où est-ce que ça serait? Ça doit être dans le coin, je pense. Par là-bas? Oh oui, c'est par là-bas. Donc, je vous présente Monsieur le Trou. Et dans ce trou, il y a un trou. Je ne crois pas que c'est lui. Ce n'est pas lui, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, des petits rubis. Merci. Alors, à moins que ce soit là, sous l'arbre. Je me rappelle plus. Non, c'est pas sous l'arbre. À moins que ce soit sous un rocher. Alors, il y a des ananas géants. Ouah! Il y a les ananas qui se réveillent. C'est la nuit, non? Je suis plus sûr de où est-ce qu'il est. Est-ce que c'est là? Non, c'est là, c'est là où l'ananas y vit. L'ananas. Ananas. Bah. D'ailleurs, il reste combien de temps? Ah, bah, c'est presque la fin de la partie. Mais où est-ce qu'elle est de nouveau? Ouais, il y a un bruit dehors. J'ai cru que c'était un bruit dans le jeu vidéo. J'ai eu peur. Il faut pas faire ça, les bruits de l'extérieur. Mais c'est bizarre, je suis sûr que c'était ici. Alors. Parce que si c'est pas ce trou-là, il est où alors? Oh, il y a des rubis! Même si j'ai plein de rubis, mais c'est pas grave. Plus de rubis, ça fait jamais de trop. Je me demande si je vais pas faire une coupure en fait. C'est bizarre, j'étais sûr que c'était dans le coin. À moins que je sois pas au bon endroit. Je suis peut-être pas au bon endroit. Oh non, l'ananas il s'est réveillé. L'ananas de la colère. Non, sérieusement, je me souviens plus où est-ce que c'est. Je crois que c'était à côté de la sortie du lac, mais je suis pas sûr. Non, il y a des mini ananas. Au secours. Il y a des mini ananas. Au secours, mais non. Laissez-moi tranquille. Bon, bah, je pense que je reviendrai sur la plaine. Quand je saurai l'endroit exact. Où je dois creuser. Bon, en attendant, découvrons là-bas. Et oui, nous n'avons pas fini.
de découvrir des nouvelles zones. Je pense qu'on va finir avec ça, en fait. Ce sera bien. Donc, bienvenue à la vallée Gerudo. Ou Gerudo, je sais pas, c'est comme si les gens y pensent. Je me souviens qu'au début, je disais Gerudo. Ça me dérangeait pas. Puis les gens disaient Gerudo. Et en fait, je me suis mis à dire Gerudo. Allez, avec la musique la plus cool du jeu. Allez, cocotte. 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 Alors, voyons, il faut que je voie. C'est là-bas. Alors, vous voyez cette caisse là-bas? Il faut y aller. Allez, cocotte. Super héros. Cocotte, cocotte, cocotte. Non, cocotte. Oh là là, cocotte, elle a disparu. Non, elle m'a bloqué. Oh la vilaine. Au revoir, les gens. C'est la fin. Oh non, mais je vais pas finir sur ça, quand même. Moi, je voulais finir sur un beau plan. Je voulais pas finir sur tomber de la cascade. Et nous revoilà au lac Ilia. J'espère que ça vous avait manqué, hein. Alors, où est-ce que je dois aller? Na 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 na. Bon, allez, hop, marche arrière. Parce que c'est plus rapide. Parce que je vais quand même pas finir sur ça. C'est trop nul. Sur la cocotte qui m'a abandonné. Sérieusement, je me souviens pas où est-ce que c'est. Ce que je dois chercher. À moins que ça soit là. Non, c'est pas là. Je sais plus, je sais plus, je sais plus. En plus, je le savais. Je l'avais lu quelque part qu'il y avait ça. Vous pouvez pas me troller. À moins que ce soit là. Dedans. Allez, explosez. Explosion de saveur. Non. Ok. À moins que ce soit au milieu. Allez, explosez. Ah ah, je l'ai trouvé. Ah bah, je le savais que c'était quelque part comme ça. Coucou. Monsieur. J'abandonne, tu veux bien m'acheter un des cœurs? Et on dit oui. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et en fait, non, je vais pas finir comme ça. Non, non, j'ai dit que je voulais finir avec ce que je voulais faire là-bas. On va finir avec ce que je voulais faire là-bas. Je pense qu'il y aura une coupure de toute façon. A tout de suite. Bien, nous revoilà à la vallée Gerudo. J'espère qu'elle vous avait manqué. Donc du coup, aujourd'hui, nous prenons Mademoiselle Cocotte. Allez, Cocotte. On y va vers l'infini et au-delà. Parce qu'on n'a pas peur. Voilà, on vole. D'ailleurs, est-ce que je peux voler là-bas? Ou est-ce qu'il y a un mur invisible? Il y a un mur. Il y a pas de mur, en fait. Oh, c'est cool. Allez, hop. La cascade. On passe à travers la cascade. Bon, je vous le dis tout de suite, bah, il y a une échelle. Vous n'avez pas besoin de faire ça avec la cocotte, mais c'est tellement classe. Et voilà. Et cette fois-ci, j'espère que ça vous aura plu. Non, cocotte. Fuis. Allez, cocotte. Au revoir, cocotte. Et au revoir, les gens. À bientôt.